Alors une actu concernant Claire Williams, pourquoi elle a décidé de vendre l'équipe Plusieurs facteurs dont la passion de ses employés. Quand le coronavirus a frappé, il fallait réfléchir à la façon dont nous allions reprendre la course et maintenir notre entreprise à flot pendant la fermeture. C'était comme si on se disait on se bat pour ce qu'on a. Puis la décision a été prise de rechercher des investissements ou de vendre. Nous n'avions pas le choix. Nous avions littéralement tout tenté. Elle explique que plusieurs facteurs liés à la pandémie ont mis les derniers clous du cercueil. Le premier était de sauver l'équipe. Quand je dis Sauver l'équipe, je veux dire s'assurer que les gens aient la sécurité de leur emploi et que l'équipe ait existé ou survécu pour leurs bénéfices. Je voulais aussi m'assurer que mon père ressortirait avec de l'argent consécutif à son travail, même si cela lui importait peu. Mon père n'a jamais retiré un centime de l'équipe au fil des ans. Je voulais m'assurer qu'il avait quelque chose à montrer pour son héritage. C'était vraiment important pour moi, aussi compte tenu de la place qu'occupait l'équipe depuis de nombreuses années. Je ne pensais pas qu'il était juste de continuer pour que la famille Williams reste dans notre sport. Cela aurait conduit l'équipe à être placée en administration judiciaire et à repartir sans rien. Elle est convaincue que Doriton Capital pourra donner un vrai renouveau à l'équipe qui se démenait sans moyen jusqu'ici. Ils ont les poches pleines. J'en avais marre que l'équipe et ses membres qui se débattaient mais ne pouvaient pas faire leur travail correctement parce que nous n'avions pas l'argent pour nous permettre de le faire. Pendant de nombreuses années, j'ai toujours trouvé cela frustrant et bouleversant. Je savais que Doriton était prêt à mettre de l'argent dans l'équipe pour la ramener au sommet. Je sentais une véritable passion pour cela, très semblable à celle de notre famille. Ils avaient un énorme respect pour l'héritage de Williams, un énorme respect pour ce que mon père a accompli, et ils ne voulaient pas le ruiner. Ils voulaient se développer autour de cela, et la raison pour laquelle ils voulaient garder le nom est importante pour moi. J'ai juste senti qu'ils étaient les bons investisseurs pour Williams et pour ses employés. Eh bien, écoutez, on verra bien hein, si en 2021, elle a pris la bonne décision, et si l'équipe Williams remonte un peu dans le classement. Parce que, effectivement en ce moment c'est compliqué pour eux. Ils se battent en gros avec, euh, avec As et Alpha Romeo pour les dernières places. J'espère qu'ils feront un, un bout en avant en 2021. Rien que pour eux seuls qui puissent marquer quelques points quand même. Le pauvre, il les mérite. Voilà, mais bah, écoutez, euh, on verra bien s'il a fait le bon choix. Moi je pense que oui. Il fallait vendre l'équipe de toute façon. Il fallait tenter le tout pour le tout. Je vous laisse réagir. Ciao.